Alors, mes premières semaines, elles étaient intenses, parce qu'à un moment donné, quand même, on est lancé dans une histoire. On l'apprend quand même que quelques jours à l'avance. Il y a un congrès qu'on organise, et puis le président du parti qui vous appelle et qui vous dit, voilà, tu deviens secrétaire d'État à l'asile et à la migration, et maintenant, bonne chance. Et donc, ça va très vite, il faut essayer de trouver un chef de cap, un porte-parole, et il faut essayer de très très vite monter une équipe. Parce que 2 mois plus tard, il fallait que je dépose ma note politique. Et donc, voilà, c'était intense, mais c'est ça la vie en politique, c'est intense. Et c'est chouette aussi d'avoir cette interaction. J'espère qu'après Covid, cette interaction sera aussi, pas seulement de manière digitale, parce que ce que je voudrais faire, c'est aller sur le terrain et de voir ce qui se passe là-bas pour pouvoir, agir sur base de ça. Er moet heel veel menselijker worden in het migratiebeleid, maar vooral correcter worden. Wanneer mensen maandenlang, jarenlang wachten op een antwoord na een asielaanvraag, dan is daar niks menselijk aan. Dus als ik die procedures wil versnellen, dan is dat ook om de procedure menselijker te maken. Wanneer je 2, 4, 5, 10 jaar moet wachten voor een antwoord en daarna, na 5 of 6 jaar te horen krijgt, ja, we hebben uw dossier nu behandeld, hè. En het blijkt dat je hier niet mag blijven. En ondertussen heb je misschien al 3 kinderen en die zitten hier misschien al op school. Maar ja, dat is jammer. Het is nu tijd om terug te keren. Dan is daar niks menselijks aan. Twee, we hebben gezorgd ook voor het feit dat mensen die in gesloten centra terechtkomen, dat we daar geen gezinnen gaan opsluiten, dus geen kinderen gaan opsluiten. Dus daarvoor zoeken we alternatieven om mensen wel mee te krijgen in een systeem van gedwongen terugkeer, indien ze niet willen meewerken aan vrijwillige terugkeer. Maar kinderen mag je niet opsluiten, omdat dat het proces bemoeilijkt, ook voor die kinderen zelf, om hun ontwikkeling door te maken. En dus zo zijn er nog een aantal zaken die we doen. En is daar een laatste element van, denk ik ook wel, ja, het taalgebruik. Het heeft geen zin om te zeggen, hoera, deze maand waren er 100 mensen die minder asiel hebben aangevraagd. Ik kan dat zeggen, hè? Dat zal misschien ook nog wel gebeuren, dat de cijfers eens gaan dalen en weer gaan stijgen. Maar die hebben voor een groot stuk te maken met als er morgen vrede wordt gesloten in Somalië, ja, dan gaan die aanvragen dalen en dan gaat dat helpen. Maar heb ik daar iets aan gedaan? Ik heb de Somalische toestand niet opgelost. Maar sommige politici maken daar dan wel gebruik van om te zeggen, en nu stijgt het en dan is een ramp daardoor en nu is het beter en dat is allemaal dankzij mij. Ja, dat is niet het geval. Politieke recuperatie en vooral populisme. En ik denk dat dat ook uit de politieke debatten moet geraken. Het moet op een humane manier ook wel, vooral op een eerlijke manier, aan politiek gedaan worden. Het debat moet eerlijker zijn. Van mij mag het scherp zijn, hè, en politici mogen van mening verschillen, maar wel op basis van eerlijke, correcte cijfers. Als dat niet kan, dan ziet Europa er in 2024 en de Europese Unie helemaal anders uit. En dat is ook de boodschap die ik heb meegegeven op de Europese Raad, al 3 keer. Ik heb al 3 keer gezegd, indien we hier nu samen geen oplossing vinden, dan staat gans het project van de Europese Unie op het spel. En daar ben ik van overtuigd. Als we nu niet tot een akkoord komen, dan gaat alles veranderen in 2024. En dan gaan ofwel een aantal landen zich de vraag moeten stellen wat dat ze doen binnen dat Europees project. Of gaan sommigen zeggen, goed, als jullie niet willen meewerken, dan werken wij wel. Verder werken samen met een beperkte groep en gaan wij samen verder. En dat moet een impact hebben, hopelijk ook wel een positieve impact op die landen die weigeren samen te werken, omdat die vandaag heel veel lusten krijgen van Europa en heel weinig lasten willen dragen. Miljarden gaan er ieder jaar naar Oost-Europese landen. En gelukkig, om mee die landen op te bouwen, om mee die landen economisch sterker te maken. Maar daar hoort ook wel een prijskaartje bij. En dat prijskaartje, dat is je solidair tonen met de rest van Europa. Mee willen werken. Als dat niet gaat, dan moet je de vraag stellen of Europa nog wel moet bestaan in dezelfde vorm als die vandaag bestaat. Ce qu'il faut faire, c'est investir dans nos services et faire en sorte qu'il y ait assez de capacités humaines. Et surtout au niveau du CGRA, qui fait des interviews avec toute personne qui demande asile. Ce sont des interviews extrêmement intenses d'ailleurs. Pendant 2, 3, 4, 5 heures, on interviewe une personne pour réellement savoir est-ce qu'elle ment ou pas, quels sont les éléments concrets pour cette personne qui peut nous amener à croire qu'il faut l'aider. Et avoir assez de personnel, avoir un effectif assez important au niveau du CGRA,
amène aussi à avoir une procédure qui est plus courte parce que les gens ne sont pas dans une attente pendant trop longtemps. C'est un premier élément. Deuxièmement, il faut faire en sorte que les services travaillent mieux ensemble. Ils travaillent déjà ensemble, hein, mais souvent, il y a un dossier qui vient jusqu'à l'Office des étrangers, qui part après par au CGRA. Il y a parfois une période entre le dossier à l'Office des étrangers et le dossier du CGRA. Digitaliser les choses nous permettrait d'éviter ces problèmes-là et de faire en sorte qu'on ne perd pas 2-3 jours entre la première phase et la deuxième phase, perdre 4-5 jours entre la deuxième et la troisième phase, et comme ça, on gagne du temps. Et donc, ce sont à mon avis les deux éléments les plus importants. J'adore parler sur la politique de retour, même si c'est que une partie de ma politique, hein, d'ailleurs je suis aussi secrétaire d'État pour l'asile et la migration, hein, on parlera de la migration après si vous voulez, mais sur l'asile, je sais qu'on adore en parler et surtout de l'élément politique de retour. Et j'adore en parler parce que souvent, quand on parle de politique de retour, on est ou bien pour ou bien on est contre, hein, et il n'y a pas d'entre-deux. Et donc quand je dis que je suis pour une politique retour plus ferme, où je veux augmenter le nombre de retours qui est aujourd'hui à 18%, donc 18% des personnes qui, à la fin d'une procédure, reçoivent la réponse « Vous n'avez pas le droit de rester ici », il n'y a que 18% qui disent « Ok, je vais retourner ». Tout le reste reste ici. Et donc, quand je dis que c'est problématique, c'est comme si j'ai fait un gros scandale. Pendant qu'en soi, tout ce que je dis, c'est il y a des règles, il faut suivre les règles. Et donc, si je remarque qu'il n'y a que 18% qui suivent les règles, il y a un problème. Et donc, ce qu'on veut faire, et là aussi, à nouveau, comment le résoudre? Il y a l'un qui dit un retour volontaire et l'autre qui dit non, un retour forcé, comme si on ne peut pas faire les deux en même temps. Et donc le retour volontaire, il faut l'intensifier. Je sais que ça n'a pas été fait assez dans le gouvernement précédent. Pourquoi? Parce qu'un retour volontaire, ça se fait en travaillant en bonne coopération et un respect mutuel avec des organisations qui sont en dehors du monde politique, des organisations qui font un travail humain et que parfois, hein, une ONG, hein, c'est ça, là, il ne faut pas toucher à ça. Hein. Pendant que les ONG font souvent un très très beau travail, et qu'eux aussi, ils se réalisent que quand une personne est ici en Belgique, a un refus et reste ici, qu'il n'y a rien d'humain à rester ici de manière non régularisée en Belgique. Et donc, d'être en période, je sais que le mot illégal, on ne peut pas l'utiliser, mais c'est quelque part ça. On est dans une illégalité ici, on est surtout avec un gros point d'interrogation, on ne sait pas ce que donne notre futur, ni celui de nos enfants. Donc, travailler dans une politique de retour avec ces ONG-là, ça peut nous amener aussi à aider les demandeurs d'asile. Faire en sorte que, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui, qu'ils acquérissent des compétences qu'ils peuvent utiliser dans leur pays d'origine. Et donc, il y a des projets pilotes où on essaie quand même de faire en sorte que quand quelqu'un est dans une procédure de demande d'asile, qu'elle acquiert des compétences qu'elle peut utiliser par après. Devenir entrepreneur, par exemple. Et on peut devenir entrepreneur en Belgique dans le cas d'une demande qui a été évaluée positive. Ou bien, quand elle est négative, on peut utiliser ces compétences-là dans le pays d'origine aussi. Et des organisations telles que Caritas et l'Office international de la migration, ils sont dans tous les pays du monde. Et justement, dans ces pays-là, ils peuvent aider ces personnes qui travaillent avec nous dans une politique de retour volontaire à pouvoir s'installer d'une manière durable et d'une manière humaine dans leur pays. Mais, il y a le mais, il y a certaines personnes qui ne veulent pas. Et qui se disent non, je ne veux pas travailler avec vous dans une politique de retour volontaire, ça ne m'intéresse pas, je veux rester ici. Mais je pense qu'on est tous d'accord que pas tout le monde peut rester ici. Et que donc pour certaines personnes, la réponse est non, et un non doit être suivi d'un déménagement dans le pays d'origine. Et donc là-dedans, si on ne veut pas le faire, oui, le retour doit et sera forcé. Et pour faire en sorte que la politique de retour forcée puisse être possible, il faut augmenter la capacité de nos centres fermés, il faut faire en sorte qu'on investisse dans l'Office des étrangers pour pouvoir mener ces affaires-là, il faut avoir des accords de réadmission avec les pays tiers qui doivent être durables. Hein, auparavant, je sais que hein, mes prédécesseurs, ils allaient signer quelques papiers dans des pays de l'Afrique du Nord qui tenaient pendant quelques mois, et puis voilà, hein, on a fait comme si on a fait un grand exploit. Non, il faut travailler de manière durable, faire en sorte, et je pense que c'est le dernier élément que je voudrais mentionner là-dessus, il y a vraiment quelque chose qu'on n'a pas fait assez ces dernières décennies, et c'est d'essayer de faire en sorte que les pays voisins de l'Union européenne redeviennent ou deviennent des pays d'émigration. Ils sont devenus bien trop souvent des pays d'immigration. Un pays comme la Libye, auparavant, était un pays d'émigration. Il y avait beaucoup plus de personnes qui allaient en Libye pour travailler,
surtout dans le secteur pétrolier, que des gens qui voulaient quitter la Libye pour venir jusqu'en Europe. Aujourd'hui, c'est fini. Et donc, il faut penser à la politique extérieure qu'on a et aussi à la politique de développement durable avec certains pays pour faire en sorte que le commerce qu'on établit puisse garantir que ces pays-là peuvent se construire eux aussi et qu'on trouve une solution durable dans la politique d'asile et immigration de manière plus globale. Je pense que mon premier message, quand même, ce serait d'être un peu plus doux, hein, les uns pour les autres. J'avais une discussion aujourd'hui encore avec trois électeurs, enfin trois personnes qui, à mon avis, votent pour l'extrême droite, qui me contactent par Instagram et qui me font part de leur vision sur base justement de l'info qui a été partagée par le président du parti. Et d'abord très très méchant, hein, parfois avec des insultes, on commence avec des injures directement. Et je réagis dessus, mais de manière hyper polie. Et je vais en débat, je dis « Ah tiens, ça m'étonne parce que moi personnellement, je vois les choses comme ça ou comme ça. Mais si tu as d'autres questions, vas-y, passe-les-moi, j'essaye de réagir par rapport à ça. » Et ces trois personnes-là, avec tous les trois, j'ai eu un résultat qui était super sympa parce qu'au final, on n'était pas tous d'accord sur tous les points, mais il y avait un respect mutuel qui s'est installé. Et donc, si j'ai un message à faire passer, c'est d'essayer d'avoir un respect mutuel les uns pour les autres. Il n'y a pas seulement au niveau politique, mais même dans la vie, on voit que les choses sont devenues extrêmement rudes. Et j'espère que si on a appris quelque chose du Covid, c'est qu'il y a des choses beaucoup plus essentielles dans la vie que les éléments ou les thématiques sur lesquelles on aime bien se chamailler ou se disputer. Et donc, parfois, revenir à l'essentiel. Et pouvoir juste comprendre qu'on est là tous en train d'essayer de faire le mieux qu'on peut et d'essayer de comprendre parfois la frustration de l'un ou de l'autre sans passer à des injures, ça serait sympa en 2021. Ik had één voornemen dit jaar. En dat was het voornemen om te ontgoochelen. En dan kijkt iedereen raar. En ik zeg ja, christendemocraten moeten vaker mensen durven ontgoochelen. De democraten proberen veel te vaak iedereen tevreden te stellen. En dat lukt niet. Want dan gelooft ook niemand u nog, als je probeert iedereen tevreden te houden. Je moet proberen mensen af en toe te ontgoochelen en te zeggen, ah, die ziet dat zo. Dat is nieuw dat ik erover denk. Dat mag. Dat is toegestaan als christendemocraat. Wat ik volgend jaar hoop te doen, ik denk vooral proberen mijn voornemen is om met heel veel mensen in gesprek te gaan en te proberen, ondanks het feit, want als staatssecretaris is uw agenda volledig gevuld, te blijven die gesprekken te hebben met de gewone burger die u contacteert via Instagram of via Facebook en die af en toe met een vraag zit en die ook verwacht een reactie te krijgen. Ik kan dat niet altijd doen en op kabinet worden ze soms gefrustreerd om te zien dat ik zelf reageer op alles en iedereen. Maar dat hoort erbij, in gesprek te kunnen gaan. Er was iemand met wie ik vandaag nog op Facebook die reageerde en die had een kritische opmerking bij mijn Facebook-post. En hij reageerde en hij maakte een referentie naar zijn vorige reactie op een post van een maand geleden. Maar hij heeft niet duidelijk gemaakt welke referentie. Dus hij had gewoon een kritiekpunt met ergens zijdelings iets in over de vorige. En ik wist dan nog dat dat die persoon was. En ik wist ook dat ik daarop gereageerd had. En dus ik antwoordde door hem te zeggen, ja, maar ik had u vorige maand al gezegd dat. En nu wil ik u dus trouwens duidelijk maken dat bla bla bla. En die persoon was verbaasd en aangenaam verbaasd. En hij zei, ja, ik moet zeggen, ik had niet verwacht dat een politieker mij nog aangenaam zou verrassen door zich nog te herinneren dat er een gesprek was. En dus ik wil het voornemen hebben om dat te blijven doen. Te blijven luisteren en misschien ook het voornemen om af en toe wat te kunnen genieten van het leven naast de politiek. Dat is er nu te weinig. Maar een goed dansje kunnen placeren in de zomer van 2021, dat hoop ik te kunnen doen.